Posez-vous. On a fait le même genre avec le genre de mairie. Après, la Bible nous l'emmène. On a consulté la Bible. On a prêché selon la Bible. On dit béni. On a fait le même genre avec le genre de mairie. Bible en main. On a consulté la Bible. On a prêché selon l'Esprit bon Dieu et selon la Bible. On dit béni. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Mais à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Mais à celui qui est assis, viens Saint-Esprit, sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Au nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus, tout esprit assoupissement, tout esprit dominant. Tout esprit qui rend le monde pas qu'attendre la parole de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous saisissons toutes oreilles. Nous saisissons tous yeux dans le nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu soit plané sur cette assemblée. Que l'Esprit de Dieu soit plané sur cette assemblée. Nous saisissons l'espace derrière moi. Nous saisissons l'espace sur côté moi. Nous saisissons l'espace devant moi. Nous saisissons l'espace à l'intérieur moi. L'Esprit de Dieu. Acclame l'esprit de quatre vents, souffle l'esprit de quatre vents, souffle l'esprit de réveil, souffle l'esprit de réveil, souffle, souffle dans le nom de Jésus. Que les soit ici. N'approuvez plus nous, c'est là Jean. Jean, chapitre 3, verset 1 jusqu'à le verset 12. Nous avons parlé tout, mais on a fait approche sur tout. En plus, le monde est capable de converser ça. En plus, le monde est capable de lire. Verset ça, c'est basé sur l'histoire de Nicodème. Rencontre Nicodème avec Jésus. Nous faisons préparation 7 parce que nous devons faire. Mais en réalité, il est disposé. Tout le monde jeune, tout le monde dans la Bible, on dit oui. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vient lui auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne veut faire ce miracle que tu as fait. Si Dieu n'est avec lui, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de ma mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. N'étonne pas, que
Je t'ai dit, il faut que nous naissions de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et Dieu entendait le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Bon Dieu. Nous sommes là parce que les enfants de nous voulons pour terminer le dîner. Si j'ai annoncé la nouvelle naissance, depuis que nous avons parlé de Nicodème, l'histoire ça c'est la Bible dit nous, Nicodème, il est un chef des Juifs. Et lycée, un docteur de la loi. Et Nicodème encore, lycée, il y a un conseiller dans l'époque. Lycée, un homme qui a une capacité d'intellectuel. Et c'est un homme tout qui connaît la Bible en pile. Mais la Bible raconte, il explique nous, il raconte nous. Nicodème s'y veillait, un temps favorable pour la rencontrer Jésus. Là, il y a un espace pour nous parler à Jésus. Avant de prêcher, moi, j'entendais l'autre prédicateur qui fait un pile approche sur Nicodème. Mais approche par là, à différents, je dis. Il y a un peu de monde qui dit Nicodème, c'est très. Il y a un peu de monde qui dit Nicodème, et lui, son monde comme si qui allait chercher un peu Jésus pour essayer de tromper Jésus par rapport aux questions qu'il a posées Jésus. Mais moi-même, moi, Nicodème, c'est un homme de l'esprit. Il choisit un moment de favorable pour le côté du monde qui va y salir. Ça, c'est moi. Il choisit un moment qui est important dans la ville pour aller parler avec un homme qui a plus de connaissances passées. Parce que l'organe Nicodème dit, ça que on a fait, Nicodème même témoigner gratitude envers Dieu. Et témoigner grandeur de Dieu envers ça que l'a dit. Et Nicodème même met Jésus dans un point, lui mettre loué. Ça que on a fait, personne ne pas qu'à faire, si bon Dieu m'a parlé. Pendant que je suis vieux, il a dit non, ça, qualité bagaille. Mais nous trouvons en tant que docteur de la loi, en tant que nègre qui connaît la parole, en tant que juif, et Nicodème pote non. La définition grecque là, Nico, qui signifie un monde qui ne comprend rien. Regardez, toute sa Jésus m'a dit Nicodème, il ne pas comprendre rien certainement. Regardez, il dit, la définition naissance, yo, madame moi qui est enceinte là, elle prend la coucher, elle prend rendre que petite sam que elle gagne, elle gagne un nouveau nœud. Ils vont les que petit monde ça fait, ils vont étape pour le suivre d'abord. On va marcher, on va parler, on va créer écrit, on va créer l'école. Ils vont petite étape d'abord pour passer. Ça est la naissance physique du monde. Mais la naissance spirituelle là, ils sont l'autre là. Il y a même étape à suivre. Même étape à suivre. Pour les chrétiens évangéliques, la définition de naissance n'est de nouveau ou encore qualité significative.
régénéré, caractéristique, individu qui estime avoir régénération, droit spirituel par le Saint-Esprit encore en conséquence de sa repentance et de la réconciliation avec Dieu. Et devenir ainsi un enfant de Dieu. Pour nous capables d'aller pour nous-mêmes, l'essence spirituelle là, l'homme besoin d'essence spirituelle là pour retourner l'antan ancien d'abord. Pour lui retourner la Genèse, pour nous avoir pour qui raison, l'homme besoin d'une nouvelle essence. Je raconte nous l'histoire d'Adam et Ève, le premier père, le premier Adam. Plus que Adam péchait, plus que Adam désobéit mon Dieu, Adam a toute l'humanité en bas couverti de péché. Tout le monde qui l'a, nous tous sortis en tant Adam. Nous tous qui on a dit péché. Nous tous nés avec naissance physiquement dans le péché. Parce que spirituellement, Adam mourit. Spirituellement, Adam mort. Mais il fallait que qu'il y ait Adam fini pour être capable de rendre les hommes qui perdent naissance spirituelle là, retrouver naissance spirituelle encore. C'est une raison qui peut faire que les Jésus ont parlé à Nicodème. Que maintenant, Nicodème n'a pas qu'à comprendre. Parce que des bagages pour comprendre, faut qu'on ait un niveau spiritualité d'abord. Et ça que Jésus m'a dit, ce qui est de chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Vous avez compris? Si n'a pas nous prenons la naissance nouvelle, le définit par plusieurs sens. J'entends nous sommes expliquant. Si n'a pas sur la régénération, par définition, la régénération est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit. C'est celle du Saint-Esprit, c'est celle l'Esprit, mon Dieu, qui est capable de régénérer le monde spirituel. Connaissance pas qu'à faire ça. Pas qu'à l'homme sous la terre pas qu'à faire ça. C'est ça l'esprit qu'à faire. Pour nous aller, Jésus combien lui dit à Nicodème. Nicodème n'est pas lui dit Rabbi. Rabbi a qui signifie maître. Ok? Jésus dit en vérité, en vérité. Je te l'ai dit. On parle à Nicodème. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Même je vous l'avais expliqué. Si on dit monde, un bébé qui fait naître, il faut marcher. Bébé va aller faire maman, lorsqu'il pourrait, il y a un petit acquis de petit monde, il va crier, il va appeler. Mais là, on peut le mettre sous votre maman, immédiatement le paix. Immédiatement le paix. Si bébé, il y a un artiste pour reconnaître, monde qui fait, monde n'a pas de monde qui sortit, c'est même jour d'abord. Il y a un monde qui vient accepter Jésus, il t'a supposé, il t'a loué connu. Personnage ça. Pourtant, il y a un monde qui vient 10 ans converti, 15 ans converti, l'a chanté l'église. Il adore l'église. Il a tout le ministère de l'église. Pourtant, jamais le beaucoup de gens Jésus. Ça veut dire, les Jésus ont dit à Nicodème, faut qu'on ait de nouveau. Nicodème n'a pas compris ce qu'il dit. Parce que les Jésus ne sont pas descendent tout bas. Nicodème n'a pas demandé est-ce que il doit entrer dans.
pour le remettre de nouveau. Et c'est quand Jésus m'a accompagné, il m'a dit à l'école, il y a un docteur de la loi tortue, il y a un chef qui s'est allé tortue, ou ne pas comprendre ça. Ça veut dire, malgré toute capacité, malgré tout ça, l'école connaît. Mais Nicodème n'a pas qu'à comprendre ça. Allez-y, tu comprends que Nicodème nos statuts de religieux. Mon nom, il est dans l'église. Nicodème n'a pas eu. Pourtant que pratique, mon nom a mené. Pourtant que ça que mon nom a fait. L'arrivée sur lui, on dit, est-ce que mon sac n'est de nouveau cette année? Parce que, il y a un monde qui n'est de nouveau, il y a un monde qui sont nouvelles créatures, il y a un monde qui ont la naissance, l'ordre de nouveau, ou sorti dans l'état physique pour entrer dans l'état spirituel. Ça sont des deuxièmes naissances. La première naissance, c'est l'état physique comme sur ton bébé. La deuxième étape, c'est l'étape spirituelle, l'étape de l'esprit avant les secours. Si que, il y a des gens qui font, il faut marcher. C'est même genre. Ou même quand on accepte Jésus, premier la galère, chita, dans l'enseignement de la parole. Pour donner la parole. Pour construire la parole. Parce que les petits gens, ça, ils font. Premier bagaille, ou après maman là, la collecte, il a la caresse, il a la quête de façon pour tout le monde soit capable de vivre dans l'étape que vous avez besoin là, pour être capable d'aller. Des fois, vous mettez chaise par côté, pour que mes chaises là, pour la braler. Vous avez 50 ans, vous êtes converti, frère. Premier bagaille là d'abord, il faut d'accord retourner dans l'étape bébé là d'abord. Il faut d'accord chita pour les lettres. Pour chita, pour balancer la étape de mer, faut qu'on l'aide. Faut qu'on l'aide. On va vous dire que c'est un plus petit personne là. Faut qu'on la parole. Parce que c'est lui qui est capacité à vous enseigner. Ou qu'on plus grand certainement. Ou qu'on allait faire plus grand classe que lui. Ou qu'on allait faire plus grand à l'amour. Mais faut chita en bas, pour t'en dire. Parce que révélation de ce qu'il y a là-même. Ou même pour qu'on gagne, faut chita d'abord, pour t'en dire. L'homme est nouveau. L'homme marché. La deuxième étape, ni le pouvoir qui c'est l'étape de l'esprit. Le monde a venu d'abord. Il vient accepter. Il vient accepter Jésus. Ça, c'est la première étape. Spirituellement. Pour de chita pour obtenir. C'est ça, si le bébé a d'abord. La prière. Et ça fait mal comprendre que. Alléluia, merci Saint-Esprit. L'être Jacob. Qui est l'étape pour Dieu dans le travail, non? Là où Dieu a besoin de nez, là où Dieu a besoin de rentrer dans l'étape, nez de nouveau. Ou dans l'église, ou à chanter, ou son petit café sérieux, tout le monde attend. Mais l'étape de génération, beaucoup de gens attendent. Beaucoup de gens attendent. Nez de nouveau. Nez de nouveau. L'on parle devant nous. Alléluia. Nez de nouveau. Ne pas marcher dans l'étape de l'esprit. Ne pas quitter d'accord. Ne pas marcher dans la deuxième étape de sens. Ou après ça, la faire. Ou elle semble à Jésus cette année. Que des chrétiens, soi-disant chrétiens, soi-disant monde qui naît de nouveau, soi-disant que monde qui naît de nouveau, est-ce que vous reconnaissez tout de nouveau cette année? Ça, c'est une question à vous. Parce que, qui naît de nouveau. Le fruit, mon qui naît de nouveau, il y a un fruit au côté. Il y a un arbre au côté. Qui fait côté ma soeur, mon frère? Pendant que tu naît de nouveau. Vous naît de nouveau, mon qui n'a pas son païen. Vous naît de nouveau, mon qui n'a pas son païen. Chaque monde qui naît de nouveau, il y a une étape à suivre dans la vie. Ma soeur, vous avez converti. Où est-il actuellement?
chita, même moi mon coco caillou. Parce que étape ça, faut passer là-dedans d'abord, faut construire d'abord. Faut aller générer d'abord. Vous allez clair pour nous. Ézéchiel 36. Verset 26. Entendez. Ok. Mais ça va être là-dessus. Avec le monde qui est dans l'état physique, la vie accepte Jésus qui d'accord né de nouveau, qui d'accord marché dans l'état deuxième naissance. Mais ça m'a dit. Mais elle a dit, je vous donnerai, excuse-moi, un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit, je t'aimerai de votre esprit un nouvel, excuse-moi, un nouvel corps et le cœur, excuse-moi, je t'aimerai de votre cœur, de votre corps, excuse-moi, le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. Mon frère,